Et qu'y a-t-il, sergent? C'est une jeune femme, monsieur, au sujet du chauffard d'Arroquette. Elle dit qu'elle a des révélations à faire. Des révélations? Elle dit que c'est important, mais elle insiste pour parler à l'officier chargé de cette affaire. Ah, bah c'est bien, sergent, faites-la entrer. Tout de suite, monsieur. Veuillez entrer, madame. L'inspecteur Morlock vous attend. Merci. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Madame? Anderson. Joyce Anderson. Institutrice à Watford. Asseyez-vous, madame Anderson, je vous Merci. En prie. Et vous avez, paraît-il, des révélations à faire concernant l'accident d'Arroquette? Oh, en effet, oui. Eh bien, je vous écoute, madame. Bien, c'est difficile, monsieur l'inspecteur. J'ai terriblement peur. Oh, pas ici, tout de même. Pas dans les locaux de Scotland Yard. Non, bien sûr, non. D'ailleurs, ce n'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour mon mari. Ah. Eh bien, dans ce cas, procédons par ordre et commencez par me dire qui est votre mari, voulez-vous? Oui. Si vous le permettez, je vais prendre quelques notes. Oui. Larry Anderson, représentant de Smith & Brown, matériel de jardinage. Mon mari a été grièvement blessé durant la guerre... Oui, mon mari est de 20 ans, mon aîné. Il a 52 ans. Et si je vous parle de cette blessure, c'est que elle compte pour beaucoup dans son comportement actuel. Oui, c'est un homme traumatisé qui n'a jamais retrouvé entièrement son équilibre moral. Oh, il est très doux, très très bon et en parfaite condition physique, mais il devient littéralement pris de panique devant la moindre responsabilité. C'est chez Smith & Brown, par exemple, où son travail est pourtant apprécié. Eh bien, il refuse systématiquement tout avancement. C'est un grand enfant, en quelque sorte. Et qui ne demande rien d'autre que de vivre tranquillement au milieu de ses habitudes. Mais il y a longtemps que vous êtes mariée? 8 ans. Ah. Et j'ai épousé Larry pour ne plus vivre seul et parce que je savais qu'il serait un compagnon et un ami. Où notre vie est simple et heureuse et je ne m'étais pas trompée. Enfin, notre vie a été simple jusqu'à il y a 5 semaines. Jusqu'au lendemain de cet affreux accident. Je vous écoute, madame Anderson. Eh bien, mon mari a été le témoin de cet accident. Ah. La voiture du chauffard l'a dépassé à toute vitesse, juste à l'entrée d'Arroquette. Oui. Et quelques secondes plus tard, il a entendu freiner à mort. Quand il est arrivé derrière la voiture, le conducteur était déjà penché vers les corps de la femme et de l'enfant. Qu'il venait de renverser. Mon mari a voulu s'approcher, mais l'homme l'a repoussé brutalement, en disant qu'il n'y avait plus rien à faire, que la femme était dans son tort et que le mieux était de déguerpir. Oui. Mon mari a protesté, bien entendu, et il a braqué sa lampe sur le visage de l'homme. Celui-ci est alors devenu comme fou et il a sorti un revolver. Continuez, je vous en prie. Il a obligé mon mari à remonter dans sa voiture.
lui conseillant de se taire s'il tenait à la vie. Et puis, il s'est encore penché pour lire la plaque d'identité sur le tableau de bord. Larry Anderson, Watford, a-t-il lu. Et il a dit, si jamais vous essayez de faire le malin, je saurai où vous retrouver. Et votre mari, sais-tu? Oui. Il est rentré bouleversé et mort de peur, mais même à moi, il n'a rien dit. Il m'a fallu 3 jours pour le pousser à m'avouer ce qu'il mettait dans cet état. Et lorsque j'ai parlé d'aller trouver la police, il s'est littéralement dressé contre moi. Il disait que de toute façon, on ne pouvait plus rien pour les victimes, mais que lui tenait à sa vie et à sa tranquillité. Et pour en finir, il a même ajouté que si j'allais de moi-même à la police, il nierait tout. Et malgré cela, vous êtes venu? Oui, poussé par un rebondissement inattendu, oui. Ah. Car avant-hier, dans le journal, mon mari est tombé sur la photographie de l'homme d'Harrogate, dans la rubrique des mariages. Mais c'est inattendu, en effet. Et de qui s'agit-il? Vous devez me le dire, Madame Anderson, vous vous en rendez bien compte. D'ailleurs, vous êtes venue pour cela, je suppose. Oui, bien sûr. Il s'agit de Melvin Davis. Qu'est-ce que vous dites? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Si je le connais? Il y a des années que nous essayons de le coincer. Ah. Et nous commencions même à désespérer car l'homme est en train de s'acheter une conduite, comme on dit. Ah, sans exagération, Madame Anderson, le garde va vous devoir une fière chandelle. Ah, Morlock. Alors? Rien à faire, monsieur. Anderson ne parlera pas. D'accord avec sa femme, je me suis fait passer pour le père de l'un de ses élèves et nous avons pris le thé tous les trois, mais en vain. Vous avez parlé de l'accident? Eh oui, mais j'en ai profité pour glisser une tirade sur les devoirs de tout bon citoyen, mais rien n'y a fait. Anderson s'est troublé, il a bafouillé quelques vagues excuses et nous a laissés. Bon, cet homme est littéralement mort de peur. Et si sa femme n'a pas pu le convaincre de témoigner, personne n'y parviendra. Autrement dit, vous n'êtes guère plus avancé qu'avant. Mais tout de même, nous connaissons l'assassin. Le meurtrier, Morlock, le meurtrier. Et même involontaire, ne l'oubliez pas. Mais pour moi, monsieur, un meurtrier qui prend la fuite devient un assassin. Et quand il s'agit de Melvin Davis, c'est doublement vrai. Méfiez-vous, mon cher. Je sais bien que Davis vous a déjà donné pas mal de fil à retordre, mais ce n'est pas une raison pour le charger sans preuve. D'autre part, et s'il est effectivement l'homme d'Harrogate, j'ai bien peur que vous n'arriviez très tard. Vous pensez bien qu'en 5 semaines, il a eu le temps de se forger un alibi et de faire réparer discrètement sa voiture. Pour un homme comme lui, c'est l'enfance de l'art. Je ne comprends pas très bien, monsieur. À vous entendre, on croirait que vous me conseillez d'abandonner. Pourquoi ne m'accusez-vous pas de vouloir protéger Davis pendant que vous y êtes? Ce que je veux, c'est que vous avanciez sur la pointe des pieds sans risquer de lui mettre la puce à l'oreille. Revoyons Anderson. Au besoin, dites-lui qui vous êtes et essayez de l'intimider. Sans son témoignage, nous ne pouvons absolument rien, ne l'oubliez pas. C'est tout pour l'instant. Allô? Allô? Inspecteur Morlock. Lui-même. Ici Joyce Anderson. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Oh, bonjour, madame Anderson. Comment allez-vous? Oh, plutôt mal, j'aurais besoin de vous voir. Mais je n'ose plus aller jusqu'au yard. Voilà, je viens de recevoir une lettre de menace. Nous savons que vous êtes allé au yard. Si c'est à propos d'Harrogate et à moins que vous ne souhaitiez devenir veuve, n'essayez pas de pousser votre mari à témoigner. Mmh. Et quand l'avez-vous reçu? Ce matin. Je vous ai téléphoné aussitôt. Ah. Et vous l'avez montré à votre mari? Oh non. Vous oubliez qu'il ignore ma démarche auprès de vous. Mmh. Oh, d'ailleurs, il est tellement émotif. S'il savait que Davis nous surveille, il deviendrait fou. Mais vous surveillez plus de 6 semaines après l'accident, c'est assez peu probable. Votre mari n'ayant pas parlé jusque-là, Davis doit se sentir tranquille. Mmh. Mais avez-vous parlé à quelqu'un de votre visite? Oh non, bien sûr. Mais dans ce cas, je croirais plus volontiers que quelqu'un vous a vu entrer au yard. Mais comment êtes-vous venu jusqu'ici? Par le métro, et en faisant plusieurs détours. Mmh. Ah, si c'est à ça que vous pensez, je suis certaine de ne pas avoir été suivie. Mais c'est à cela, oui.
Écoutez, Madame Anderson. Oui. Je vais donner des ordres au commissariat de Watford et faire surveiller discrètement votre maison. Si Davis ou quelqu'un de sa bande vient traîner dans les parages, ce sera pour moi un excellent prétexte. Ah. Car jusqu'à présent, et pour ne pas risquer de lui donner l'éveil, mon chef ne veut pas que je lui rende visite. Mais peut-être a-t-il raison, non? Ben, jusque-là, oui, peut-être. Mais après cette lettre, j'espère bien qu'il va me laisser agir. Non, cessez de vous inquiéter, je vous en prie. Et faites-moi confiance. J'ai confiance en vous, monsieur l'inspecteur. Mais je vous avoue qu'il me serait difficile de ne pas m'inquiéter. Mais voulez-vous que nous nous retrouvions ici demain à la même heure? Peut-être aurais-je de quoi vous rassurer un peu. J'ai bien peur que ce ne soit difficile, malheureusement. J'ai mon travail d'abord et puis... Oui, je comprends. Et d'ailleurs, pour être franc, je dois avouer que je pensais davantage au plaisir de vous rencontrer qu'à des questions de service. Oh, vous n'auriez pas dû dire cela, inspecteur. Je suis très attachée à mon mari et je n'ai jamais eu aucun goût pour les aventures. Non, je n'en doute pas un instant, Madame Anderson. Et je vous demande pardon. Puis-je encore compter sur votre appui, monsieur l'inspecteur? Si je ne l'avais pas provoqué, je trouverais cette question très blessante, vous savez. Car je vous assure que l'on peut très bien être en même temps un homme maladroit et un policier honnête. Entrez, inspecteur, asseyez-vous. De quoi vouliez-vous me parler? De l'affaire Henderson, monsieur. Encore? Madame Henderson vient de recevoir une seconde lettre anonyme. Ah. Et que dit-elle? Mais ceci. Puisque vous n'avez pas tenu compte de notre avertissement, tant pis pour votre mari, c'est vous qui le condamnez. Moi. C'est une suite logique à la première lettre, mais qui n'apporte rien de nouveau. Qu'espérez-vous en tirer? J'aimerais tenter une expérience, monsieur. Je voudrais mettre brusquement cette lettre sous le nez de Melvin Davis. Pourquoi plus spécialement sous son nez à lui? Mais il me semble que... Il vous semble mal, inspecteur, et je serais curieux de savoir ce qui dans cette lettre vous paraît incriminer Davis. Mais enfin, monsieur et madame Henderson... Non, écoutez, Morlock. Je comprends fort bien que vous soyez sensible au charme de cette jeune femme, et je regrette sincèrement pour vous qu'elle soit déjà mariée. Cela dit, nous avons fait pour elle bien plus que nous n'aurions dû, et je ne puis vous autoriser à perdre davantage de temps. Mais si vous ne croyez pas à ces menaces... Je crois à deux lettres parfaitement anonymes. Après, c'est tout. Pour peu que votre madame Anderson ait parlé de sa visite à quelqu'un et que la nouvelle ait fait le tour du quartier, ces lettres peuvent très bien être l'œuvre d'un mauvais plaisant. La police de Watford a surveillé la maison et le quartier pendant 8 jours sans mettre la main sur le moindre rôdeur. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle continue, mais... Scotland Yard a autre chose à faire. Et les deux morts d'Harrogate? Obtenez le témoignage d'Anderson et nous en reparlons. Légalement, et vous le savez aussi bien que moi, celui de sa femme ne signifie rien. D'ailleurs, je commence à me demander si ce n'est pas elle-même qui souffre d'une maladie de la persécution. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Je suis votre chef et j'ai tous les droits, inspecteur. Y compris celui de vous renvoyer dans votre bureau pour y chercher un peu de sang-froid. Vous pouvez disposer, c'est tout. Très bien, monsieur. Morlock. Monsieur. Je sais combien vous êtes toujours seul. Et je comprends que vous soyez touché par les craintes de cette jeune femme, inspecteur. Néanmoins, si vous me permettez un conseil... Désolé. Mais je ne pense pas que cela fasse partie de vos prérogatives, monsieur. Bonsoir. Pardonnez-moi de ne pas m'être fait annoncer, monsieur, mais je ne pouvais pas attendre. Que se passe-t-il, inspecteur? Madame Henderson est dans mon bureau, et... Non, non, je vous en prie, laissez-moi parler. Je lui avais demandé de passer me voir afin que nous mettions au point une nouvelle rencontre avec son mari. Or, pendant que nous parlions, un appel est arrivé du commissariat de Watford. Larry Henderson vient d'être assassiné d'une balle en pleine tête, monsieur. Sergent Bradley, du commissariat de Watford, monsieur. C'est moi qui ai découvert le corps après que l'on nous ait alerté. C'est bien, sergent. Venez par là. Qu'est devenue madame Anderson, inspecteur? J'ai cru pouvoir l'autoriser à demeurer chez une voisine, monsieur. Elle est terriblement éprouvée et n'ose encore revenir ici. Vous avez bien fait. Nous la verrons un peu plus tard. Est-ce que le médecin légiste est arrivé, sergent? Il est même déjà reparti, monsieur. Balle dans la tête, mort foudroyante, rien à signaler. Bien entendu, nous n'avons touché à rien. Bon, parfait. Peut-être
Pourriez-vous commencer par jeter un coup d'œil sur les lieux, inspecteur, qu'en pensez-vous? Avec votre permission, monsieur, j'aimerais bien entendre moi aussi le rapport du sergent. Comme il vous plaira. Nous vous écoutons, sergent. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, monsieur, le crime a eu lieu en présence d'un enfant. C'est une chance extraordinaire que l'assassin ne l'ait pas vu, car il l'aurait peut-être bien tué aussi. Qui est cet enfant et que faisait-il là? Il s'agit de Benny Gilmont, 7 ans, le fils d'une voisine. Comme presque tous les samedis après-midi, il était venu voir Larry Anderson qui bricolait dans son petit atelier. Et c'est parce que l'enfant était en train de jouer par terre sous l'établi que l'assassin ne l'a pas vu. Dieu merci, le pauvre gosse fut tellement terrorisé qu'il n'eut pas la force de crier. Il a vu l'assassin? Comme je vous vois, monsieur. Un homme grand et solide, coiffé d'une casquette de livreur, les yeux cachés derrière des lunettes noires. En pénétrant dans l'atelier, il était environ 17h30. Il a demandé à Anderson s'il était bien Larry Anderson. Sur la réponse affirmative de celui-ci, il a encore dit « Dans ce cas, mon vieux, j'ai une commission pour vous de la part de Melvin. » Puis il a sorti un revolver et tiré presque bout portant. Bizarre tout de même. Est-ce que l'enfant est certain d'avoir bien entendu? Il le dit, monsieur. C'est un gosse intelligent, très éveillé. Où est-il? Chez lui, monsieur. Il a été saisi d'un accès de fièvre et sa mère a dû le coucher. Désirez-vous le voir? Non, pas maintenant. Laissons-le se remettre. Allez plutôt en quête de Mme Anderson et priez-la de venir jusqu'ici. Mais ne pourrions-nous d'abord nous rendre à l'atelier, monsieur? Cela laisserait à Mme Anderson le temps de se reposer encore un peu. Les photographes et le service des empreintes sont en train d'y travailler. Laissons-les achever. D'ailleurs, je doute fort que l'aspect des lieux nous révèle quoi que ce soit que nous ne sachions déjà. Allez, sergent. Tout de suite. Que pensez-vous de tout cela, monsieur? Considérez-vous toujours que l'imagination de Mme Anderson soit excessive? Il peut m'arriver d'être entêté, Morlock, mais tout de même pas à ce point-là. Heureux de vous l'entendre dire, monsieur. Ce qui m'intrigue le plus dans toute cette histoire, c'est ce tueur qui éprouve le besoin de dire le nom de celui qui l'envoie. Même s'il se croyait seul, c'est tout de même un risque bien inutile. Mais sincèrement, je ne vois pas où est le risque. Se croyant seul et certain de tuer sa victime, il s'est offert ce plaisir morbide et voilà tout. Oui. Peut-être. Puis-je espérer que vous me confierez la conduite de cette enquête, monsieur? Il me serait difficile de vous le refuser, vous y trouveriez encore quelques raisons cachées. Néanmoins, et une fois de plus, je vous mets en garde contre un parti pris dangereux. En admettant même que l'enfant est bien entendu, Davis n'est pas le seul à se prénommer Melvin. Si c'est être de parti pris que de ne pas aimer les malfaiteurs, alors vous avez raison, monsieur, je suis de parti pris. Et je me flatte de n'avoir jamais rien tenté, moi, pour protéger ce genre d'individu. Prenez garde, Morlock. Vous passez les bornes. J'ai toujours accepté mes responsabilités, monsieur, et j'ai la prétention de connaître mon métier. Pour le reste, si je n'ai pas votre indulgence, veuillez m'excuser. Ne vous en déplaise, Morlock. Je suis moi aussi un policier honnête. Mais la loi est la loi et nous ne pouvons pas accuser sans preuve, fût-ce un Melvin Davis. Il a beau avoir été condamné à plusieurs reprises, cela ne nous dispense pas d'avoir à rechercher une certitude absolue. On ne condamne pas un homme sur ses antécédents. Je ne suis pas de votre avis là-dessus, monsieur, je regrette. Davis est un homme habile à tourner la loi, et nous savons très bien qu'il n'a pas payé le quart de ses crimes. Personnellement, et peu importe que ce soit pour ceci ou pour cela, j'estime qu'il mérite la potence. Dans ce cas, il est heureux que vous ne soyez que policier et que vous n'ayez pas à rendre la justice, inspecteur. Et je vous signale... Madame Anderson est ici, monsieur. C'est bien, sergent, faites-la entrer et allez voir où en sont les autres. À vos ordres, monsieur. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances, Madame Anderson. Merci. Et aussi mes regrets de n'avoir pas cru entièrement au danger qui menaçait votre mari. Malheureusement pour lui, et en l'absence de son témoignage, nous ne pouvions faire davantage. En refusant de dévoiler ce qu'il savait de cet accident, votre mari nous liait les mains et se condamnait lui-même. Je le sais, monsieur le superintendant. Je ne fais nul reproche à la police. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Merci. Je ne vous importunerai pas longtemps, mais je voudrais revenir sur quelques détails concernant l'accident d'Harrogate et les lettres de menace. Vous avez rapporté à l'inspecteur Morlock, par exemple, que votre mari s'était affolé en reconnaissant la photographie de Melvin Davis dans le journal. Oui. Mais l'accident datait de 5 semaines déjà et les journaux avaient annoncé l'échec de l'enquête.
Pourquoi cet affolement, à votre avis? Bien, mon mari ne s'était jamais complètement remis de la blessure reçue à la guerre, monsieur. C'était un homme craintif et exagérément sensible. D'autre part, il ne pouvait oublier ce revolver que Davis avait braqué sur lui. Il disait que cet homme était un tueur et il y pensait sans cesse. L'inspecteur Morlock a d'ailleurs eu l'occasion de constater cette nervosité et cette peur. Oui, il me l'a rapporté, oui. Et puis je vous demandais maintenant ce que vous comptez faire, Madame Anderson. Est-ce que vous avez l'intention de porter plainte directement contre Melvin Davis? Mais, oui, bien sûr. Pourquoi pourrais-je ne pas le faire? Oui, justement. Et mon devoir est de vous mettre en garde. Pour l'instant, nous sommes très loin de détenir des preuves irréfutables et nos présomptions ne seraient pas suffisantes pour convaincre un jury. Oui. Votre mari ne pouvant plus témoigner au sujet de l'accident, il nous reste deux lettres anonymes et un prénom entendu par un enfant. Oui. Avec cela seul, l'avocat de Davis aurait au fait de disculper son client. Et vous risqueriez même par-dessus le marché d'avoir à payer les dommages et intérêts qu'il ne manquerait pas de réclamer. Oh, ce serait un comble. Je vous en prie, inspecteur. Les lois sont ainsi faites et vous savez très bien que j'ai raison. Cela dit, Madame Anderson, et maintenant que vous voilà prévenue, c'est à vous de décider. Eh bien, je pense que je suivrai vos conseils, monsieur. Que devrais-je faire? Portez plainte contre inconnu et nous laissez mener notre enquête. Je vous donne ma parole que si Melvin Davis est bien l'instigateur de ce crime, il ne nous échappera pas. J'ai confiance en vous, monsieur. Eh bien, je vous remercie. Vous viendrez lundi au Yard pour signer votre plainte et votre déposition. J'y pense. Oui. Une dernière question. Savez-vous si votre mari avait contracté une assurance sur la vie? En ma faveur, oui. Importante? Oh, pas très importante, non. Un millier de livres. C'est assez modeste, en effet. Eh bien, je vous remercie, Madame Anderson. À lundi. À lundi, monsieur. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, madame. Et bon courage. Merci. Eh bien, je crois le moment venu d'aller jeter un coup d'œil sur les lieux du crime, inspecteur. Auparavant, cependant, notez de faire procéder rapidement aux petites formalités habituelles. Réputation, compte en banque, dettes éventuelles, etc., etc. Et tâchez de savoir un peu ce que faisait Madame Anderson avant son mariage. Vous n'allez pas me dire que vous la soupçonnez tout de même? Mais non, bien sûr. On ne fait pas tuer un mari pour toucher une assurance de 1000 livres. Si cela était d'ailleurs, ce serait bien gardé de venir trouver la police. Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi vous désirez enquêter sur elle. Une simple routine, rassurez-vous. Je suis persuadé que nous n'obtiendrons que des renseignements excellents et j'en suis ravi pour vous. Pour moi? Cette jeune femme est tout à fait charmante et je comprends qu'elle vous aime. Il vous faudra sans doute laisser passer un peu de temps. Enfin, Madame Anderson est une femme libre maintenant. Une table, monsieur. Tiens, Perry Sadler. La dernière fois que je vous ai vu en prison, si je ne m'abuse, vous étiez moins aimable. Qu'est-ce que vous faites ici? Une petite visite de l'établissement, Sadler. En attendant de vous offrir peut-être à nouveau l'hospitalité. Vous avez un mandat? Non, pas la peine, je suis là en client. Alors faites votre travail et dépêchez-vous de me trouver une table. Oh, c'est bon. Par ici. Voilà. Merci, Perry. Par rapport au spectacle, c'était probablement la plus mauvaise table de la salle, mais cela ne fait rien. Les danseuses ne m'intéressent pas. Ça tombe bien, elles n'aiment pas le poulet. Salut. Bonsoir, inspecteur. Tiens, bonsoir, mademoiselle Cockburn. C'est gentil de nous rendre visite. Comment trouvez-vous l'endroit? Pas mal. Je m'attendais à quelque chose de plus tapageur. On a toujours tort de se faire des idées. Melvin aussi, lui, a beaucoup changé. Mais je sais qu'il essaie de le faire croire, oui. Allons, ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes, inspecteur. Permettez-moi plutôt de m'asseoir un instant et de vous offrir le verre du patron. Non, vous pouvez vous asseoir, mais je tiens à régler ma consommation. Ah bah tant pis, j'insiste pas.
Mais vous venez déjà d'effrayer ce pauvre Perry, et tout ça, c'est pas très gentil, inspecteur. Mais les honnêtes gens ne s'effraient pas pour si peu, mademoiselle. Cela dit, vous devez avoir raison quand j'aperçois le sieur Phillips, qui nous observe et qui n'a pas l'air très rassuré non plus. Lequel Phillips me fait penser que le dénommé Stanley ne doit pas être très loin. Je me trompe? Stan sert de chauffeur à Melville. C'est merveilleux. Toute la bande au complet est tous plus honnêtes les uns que les autres. Pardonnez-moi, mais c'est un peu dur à avaler. Mais c'est pourtant comme ça, et je vous défie bien de prouver le contraire. Votre défi est superflu, c'est exactement ce à quoi je suis décidé. Écoutez, inspecteur. Melvin et moi, nous allons nous marier. Et nous avons de quoi vivre honnêtement. Melvin a peut-être suivi de mauvais chemins dans le temps, mais il a payé. Quant à moi, je n'ai pas toujours été irréprochable non plus, mais je vous jure bien que j'ai tout fait pour m'en sortir. Et maintenant, c'est chose faite. Et je veux plus rien d'autre que vivre tranquillement et sans histoire. Ah, c'est touchant. On se fait une petite fortune en attaquant une bijouterie par-ci et quelques banques par-là. On s'acquitte en concédant quelques années de prison et l'on finit dans la peau d'un brave commerçant. Encore un peu, je ne désespère pas de le voir s'adonner au jardinage, votre fiancé. Ah, j'ai bien peur qu'il me soit impossible de parler avec vous, inspecteur. Je sais pas d'où vous vient tant de hargne. Mais franchement, je vous envie pas. Je ne tiens pas à être envié par des gens de votre espèce, mademoiselle. Maintenant, conduisez-moi auprès de Davis. Je sais pas s'il est là. Moi, je sais qu'il y est. Je vous conseille vivement de me montrer le chemin. Très bien. Suivez-moi. Visite, Melvin. Inspecteur Morlock. Tiens, charmante surprise. Laisse-nous, Perry, veux-tu? Et toi aussi, chérie. Vous ne voulez vraiment pas que je reste, patron? Non, c'est pas la peine. Mais ne t'éloigne pas trop tout de même. Comptez sur moi. Content de vous voir, inspecteur, sincèrement. À condition qu'il s'agisse d'une visite amicale, bien entendu. Et vous rêvez, mon pauvre Davis. Je sais bien que l'on parle maintenant de vous et de votre mariage dans la rubrique dite mondaine, mais tout de même. Quoi, tout de même? Où voulez-vous venir? Eh bien, je ne sais pas, moi. Disons, à Roguette, par exemple. Vous connaissez? Pourquoi? Mais je crois que vous connaissez. Sinon, je me demande bien pourquoi le simple nom de cette petite ville vous ferait pâlir. Si je pâlis, c'est que je me méfie de vos salades. Et que je me demande ce que vous avez encore bien pu inventer. Alors, si vous avez des questions à me poser, faites-le franchement. Et n'oubliez pas que je suis ici, chez moi, et que je pourrais très bien ne pas vous répondre. Ah, le bonheur, Melvin, je vous préfère ainsi. Connaissez-vous Watford, monsieur Davis? Watford? Watford, oui. Cette petite ville de proche banlieue où vous avez fait assassiner Larry Henderson. Et vous devriez ramasser votre cigare, Davis, il va brûler votre joli tapis. Non, vous voulez répéter, s'il vous plaît. Non, je vous demandais si vous connaissiez personnellement le quartier où vous avez fait assassiner Larry Henderson. Alors, j'ai bien entendu. Vous m'accusez du meurtre d'un bonhomme dont je ne sais rien d'autre que ce qu'en disent les journaux. C'est bien ça. C'est bien ça, Melvin. Allez, tirez-vous, inspecteur. Tirez-vous avant que je vous casse la gueule. Vous auriez tort, ce serait un aveu. Mais l'aveu de quoi, bon Dieu? De votre crime, pardi. Bon sang, bonsoir, non, c'est pas possible. J'ai pourtant pas bu plus que d'habitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Vous devenez dingue ou quoi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Et pourquoi je l'aurais fait rectifier, hein? Pour m'empêcher de témoigner, tout simplement. Mais de témoigner sur quoi? Sur l'accident d'Harrogate, où vous avez tué une femme et son enfant. Ah bon, je vois. En somme, d'après vous, je serais un type dans le genre de... d'Al Capone. Un gosse par-ci, une femme par-là, un témoin par-dessus le marché, et tout ça en l'espace de quelques jours. Eh ben, dites donc, quand vous vous y mettez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, riez, Davis, riez, profitez-en. Lorsque vous serez sur la trappe et la tête dans le capuchon, vous n'en aurez plus envie. Non, écoutez, mon vieux, finissons-en, voulez-vous? Ou bien vous êtes en train de vous payer royalement ma tête, et alors là, chapeau, c'est de la belle ouvrage. Ou alors, et bien que ça ne se voit pas, vous tenez la plus belle cuite que j'ai jamais vue. Je ne suis pas votre vieux Davis. Je suis le policier qui va enfin vous faire payer vos crimes. Un de ces jours, et sans doute plus tôt que vous ne pensez, vous sortirez d'ici menottes au poignet. Oui, d'accord, c'est entendu. Seulement, en attendant, vous devriez tout de même aller vous reposer un peu. Ne croyez pas que je vous menace au hasard, David. Je sais ce que je dis, vous êtes déjà sur le chemin de l'échafaud.
Oh, mais oui, mais je viens de vous dire que c'était d'accord. Seulement, c'est égal, vous en tenez une solide. Ah oui. Eh bien, dites-moi si c'est du solide, ça. Patron. Fous-moi cet ivrogne à la porte. Hein? Mais sans le bousculer, hein? Quoi? Je tiens à sa santé. Vous plaisantez ou quoi, patron? Fais ce que je te dis, Perry. En douceur. Ouais. La bousculade, c'est pas de nous qu'elle lui viendra. Bonsoir, Madame Anderson. Pardonnez-moi de vous déranger, mais je souhaitais parler quelques instants avec vous. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur. Entrez. Merci. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Que se passe-t-il, monsieur? Quelque chose de nouveau? Rien en ce qui concerne la mort de votre mari, non. Mais l'inspecteur Morlock m'inquiète. Ah. Et je me demande sérieusement s'il n'est pas en train de perdre la tête. Mais est-ce à cause de sa visite chez Melvin Davis que vous dites cela? Vous êtes au courant? Oui, l'inspecteur était ici il y a une heure à peine, monsieur. Il devait m'annoncer son départ et me dire au revoir. Que vous a-t-il dit exactement? Bien que vous lui aviez retiré l'enquête concernant mon mari, mais qu'il avait alors demandé un congé et décidé de continuer pour son compte. Du côté d'Arroguette, m'a-t-il dit. C'est tout? Mais oui, monsieur. N'aurait-il pas ajouté par hasard qu'il me soupçonnait de vouloir protéger Melvin Davis? Oh non, pas du tout, non. Non, il m'a simplement dit qu'il ne comprenait pas votre attitude. Bon, admettons. Vous a-t-il dit aussi qu'il avait frappé Melvin Davis? Sans me donner de détails, oui. Davis est venu au yard ce matin et j'ai eu toutes les peines du monde pour l'empêcher de porter plainte. Ah. S'il l'avait fait, ça aurait été pour Morlock une mise à pied définitive. Enfin, pourquoi a-t-il fait ça? Me permettez-vous de vous dire le fond de ma pensée, madame? Oh, oui, bien sûr, je vous en prie, monsieur. Eh bien, j'ai dans l'idée que le comportement de Morlock dans toute cette affaire tient essentiellement à ce qu'il est amoureux de vous. Ah. Pour ne rien vous cacher, monsieur, c'est aussi pour m'annoncer cela qu'il est venu tout à l'heure. Oh, je l'avais deviné depuis longtemps, remarquez, mais j'avais toujours fait en sorte de ne pas l'encourager. Et maintenant? J'étais très attachée à mon mari. Et sa mort est encore toute récente. J'ai dit à l'inspecteur Morlock, et c'est la vérité, que je me sentais bien incapable pour l'instant de tomber amoureuse de qui que ce soit. Lui avez-vous interdit de vous revoir? Oh, pas interdit, non, mais je lui ai demandé d'espacer ses visites. Eh bien, je souhaite tout de même qu'il vous désobéisse, Madame Anderson. Comme? Car je ne vois réellement que vous pour lui parler et essayer de le freiner un peu. S'il continue et s'il commet d'autres bêtises, il finira par devoir quitter la police. Seriez-vous d'accord pour lui parler s'il revenait vous voir? Oh, je veux bien essayer, mais je crains que ce ne soit difficile. L'inspecteur est peut-être poussé par un désir excessif de venger la mort de mon mari, mais enfin, Melvin Davis est tout de même un malfaiteur notoire, non? Il l'a été, certes. Mais il est pour l'instant parfaitement en règle vis-à-vis de la justice. D'autre part, il n'a jamais été impliqué dans aucune affaire de meurtre, et je le vois mal commençant maintenant. Sa boîte de nuit est florissante, il va se marier, il paye ses impôts. En vérité, je ne serais pas étonné qu'il ait vraiment décidé de se tenir tranquille. Oui, peut-être avez-vous raison, monsieur, je ne sais pas. Si l'inspecteur revient me voir, j'essaierai de lui parler. Oui, entrez. Tiens, Morlock, je vous croyais en vacances pour au moins 8 jours encore. Je reviens d'Arroguette, monsieur. Et je rapporte la preuve de la culpabilité de Davis. Ouais, compliment. Si vous dites vrai, cela vous vaudra certainement vos galons d'inspecteur en chef. Mais je ne travaille pas pour de l'avancement, monsieur. Je sers la justice de mon pays, c'est tout. Très bien, Morlock, très bien. Allez-y, je vous écoute. Melvin Davis se rend à Arroguette toutes les semaines, le samedi soir ou le dimanche matin. Il est donc certain qu'Anderson n'avait pas menti et qu'il s'y trouvait bien le soir de l'accident. Certain. C'est cela votre preuve? Mais ma preuve ne concerne pas l'accident. Il s'agit d'un autre délit, lequel va nous permettre d'arrêter Davis séance tenante. Un autre délit? Oui, monsieur.
À moins que je ne me sois trompé et que Davis n'ait pas encore épousé Barbara Cockburn. Il l'a épousée la semaine dernière. Ah. Certains journaux lui ont même accordé la première page. Eh bien, ils n'auront plus qu'à recommencer demain, quand ils sauront que ce mariage est nul et que Davis était déjà marié. Bigam ? Oui, monsieur, Bigam. La vraie Madame Davis est une pauvre femme qui a complètement perdu la raison il y a plus de 20 ans. Et qui est internée à Harrogate ? Pas internée, monsieur, non. Si sa femme était pensionnaire de l'établissement régulier, Davis n'aurait pas osé se marier publiquement. Vous ne voulez tout de même pas dire qu'il la séquestre depuis 20 ans ? Chez une ancienne infirmière d'Harrogate qui vit dans un petit cottage et qui s'occupe de la malade, si. Une brave femme assez naïve et dévouée pour que Davis ait osé lui annoncer son mariage et obtenir son silence. Ainsi que je vous l'ai dit, il va là-bas une fois par semaine. Depuis 20 ans ? Il paraît. La vieille affirme que Davis l'a d'abord fait soigner par les meilleurs spécialistes, mais qu'il est absolument incurable. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. C'est une femme très douce, qui se laisse mener comme une enfant et qui tient des propos absolument incohérents. Elle est bien soignée, mais ne semble pas malheureuse. Et vous appelez cela une séquestration ? Mais qu'elle soit bien ou maltraitée, cela n'excuse en rien le crime de bigamie. Mais disons que c'est une circonstance atténuante. La loi interdit à Davis de divorcer d'une malade mentale, mais elle ne l'empêcherait nullement de l'abandonner au fond d'un asile. Et autrement dit, vous l'excusez. Je ne l'excuse ni le condamne, inspecteur. Ce sera l'affaire du jury. Mais je serais très étonné que celui-ci ne soit pas sensible à sa fidélité envers cette pauvre femme. Et ce n'est pas encore avec cela que vous l'enverrez à la potence. Mais et les deux morts d'Harrogate et l'assassinat d'Anderson? À moins que vous ne rapportiez d'autres preuves, je ne vois vraiment pas en quoi la bigamie de Davis démontrerait sa culpabilité dans l'accident et dans le crime. Eh bien, ce sera comme vous dites, monsieur, le jury en décidera. Mais quand il aura entendu le témoignage de Madame Henderson sur l'accident, il ne sera sûrement pas très enclin à l'indulgence. Vous ne feriez pas cela, tout de même. Vous n'oseriez pas. Je le ferai. Ce qui compte avec des individus comme Davis, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Les juges n'iront sans doute pas jusqu'à la potence, malheureusement. Mais je vous jure bien qu'il aura le maximum. Franchement, Morlock, je ne vous comprends pas. Pour abattre Davis, vous faites preuve d'un zèle qui dépasse de très loin la simple conscience professionnelle. Mais peut-être cela vient-il de ce que certains en manquent vraiment trop de zèle. Prenez garde, inspecteur, ma patience a des limites. Mais c'est très bien, monsieur, j'ai terminé. J'attends vos ordres pour les formalités et pour l'arrestation de Davis. Allez-vous-en, Morlock. Ce n'est pas vous qui serez chargé de cela et je ne vous offrirai pas le plaisir d'arrêter Davis. Je vais demander votre mutation dès aujourd'hui. Et d'ici qu'elle me parvienne, vous voudrez bien vous abstenir de me tendre la main. Bouge pas, Morlock. Un seul geste et tu glisses sur mon couteau. Mais tu es un policier, coûte le maximum, Sadler. Je sais. Et t'occupe pas, monte. Fais le tour du pâté, Stan. Mais non, c'est pas la peine. Nous sommes très bien ici. Toute l'équipe, à ce que je vois. Comme tu dis, Saligo, et toute l'équipe. Je ne sais pas ce qui me retient. Mais non, père, non, laisse-le. Il ne perdra rien pour attendre. Content de vous, inspecteur. Mais j'ai fait mon devoir, c'est tout. Mais je m'étonne que vous le défendiez encore, votre Davis. Il s'est pourtant bien payé votre tête. Parce que vous vous imaginez qu'il m'avait mené en bateau. Il est plus propre que vous, Melvin. Il tire pas dans le dos. Mais vous saviez qu'il était marié ? C'est la première chose qu'il médite quand je l'ai connu. Comme nous avions envie de vivre décemment et que nous ne risquons plus d'avoir d'enfants, nous avons décidé de passer outre. Sa femme ne se rend compte de rien, elle est absolument incurable. Alors ça gênait qui, notre petite comédie ? Vous voulez me le dire ? La loi. La loi. Celle qui protège les uns et s'acharne toujours contre les mêmes. Melwin, Sadler, Stan et moi, on avait compris et décidé de ne plus vous donner prise. Seulement, vous ne pouviez pas le supporter. Puis, il a fallu que vous trouviez le moyen de nous descendre à tout prix, hein ? Vous avez en partie réussi. Mais écoutez-moi bien, inspecteur. Melvin passe en jugement dans 15 jours. Et je vais attendre jusque-là. Et s'il est condamné à plus d'un an, je vous abattrai comme un chien. Mais qu'est-ce que vous espérez exactement, hein ? Si vous aviez vraiment l'intention de m'abattre, vous ne m'avertiriez pas. Elle est vraiment trop bête. J'y renonce. Essaie de lui expliquer, Perry. C'est très simple, poulet. Avec Melvin et grâce à lui, nous avions vraiment décidé de travailler régul. Et c'était très possible.
Seulement maintenant, quand on aura payé une amende, et c'est probable, et l'avocat, ça risque de devenir très dur. Et si on nous prive du patron pour longtemps, par-dessus le marché, on sera cuit. Alors on n'aura plus rien à perdre. Et on descendra. Réfléchissez bien, Morlock. Personne ici ne comprend rien à votre histoire d'accident et de crime à Watford. Melvin est coupable de bigamie, un point c'est tout. Et son avocat dit qu'il aura droit à de très larges circonstances atténuantes. Mais si vous essayez de lui coller autre chose sur le dos, vous ne connaîtrez jamais le goût de la retraite. Pardonnez-moi d'interrompre votre travail, inspecteur, mais j'ai dû quitter le tribunal avant la fin et je voudrais connaître le verdict. 5 000 livres d'amende. Et 10 ans, monsieur. 10 ans. Et vous trouvez ça bien? Très bien, monsieur. Ainsi, vous qui vous flattez d'aimer la justice, vous vous réjouissez d'une injustice. Vous savez pourtant parfaitement que cette sentence est d'une sévérité excessive. Pour tout autre que Davis, oui. Parce que selon vous, la justice britannique n'est pas la même pour tous. Davis n'avait pas seulement son crime de bigamie à payer. C'est vrai. Il avait encore un accident et un assassinat dont vous l'avez chargé sans apporter la moindre preuve. Ce que vous n'aviez pas le droit de faire. Si vous n'aviez pas parlé de vos soupçons devant le tribunal, et si vous n'aviez pas volontairement provoqué le témoignage de Mme Anderson, l'accusé obtenait le sursis. C'est vous, et vous seul, qui l'avez fait condamner. Parce que ma conviction est... Vous n'aviez pas à faire état de vos convictions, justement. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous semblez oublier que c'est l'avocat de la défense qui a sollicité ma déposition. Concernant la femme de Davis, uniquement. En faisant allusion à l'accident, vous saviez que l'on vous demanderait des précisions, et vous saviez combien elle impressionnerait le jury. Tout cela est affaire entre votre conscience et vous, Morlock. Mais je ne voudrais pas être dans votre peau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Inspecteur Morlock, j'écoute. Ici Perry Sadler, poulet. Je t'appelle pour te dire que je viens de conduire Barbara à l'hôpital. Dépression nerveuse. Et en quoi cela me regarde-t-il? T'affole pas, je vais te le dire. Comme elle tient absolument à te régler ton compte elle-même, on a décidé de lui laisser ce plaisir. Alors tu vas donc être obligé de patienter un peu. Mais surtout ne t'inquiète pas, tu seras payé, comme promis. Joyce. Oui? Je crois le moment venu de vous demander quelque chose de... très important. Oh, il est bien tard, Chris. Ne pourrions-nous remettre à un autre jour? Non. Non, il y a trop longtemps que j'attends. Et si je préférais que vous ne parliez pas? Non, cela me serait impossible, Joyce. Bon, alors je vous écoute. Voilà. Non, je vous ai dit un jour qu'une femme m'avait fait beaucoup de mal et détournée de toutes les autres. Mais ce que je n'ai pas osé ajouter ce jour-là, c'est que toutes mes préventions sont tombées à l'instant même où vous êtes entré dans mon bureau. Par Dieu m'est témoin que je n'ai jamais souhaité la mort de votre mari, et pourtant, dès ce moment, j'ai eu la conviction que tout finirait par devenir possible entre vous et moi. Non, je sais bien que l'heure n'est pas encore venue, que votre deuil n'est pas terminé. Mais enfin... vous connaissez mes sentiments, et vous pouvez au moins me répondre, non? Non, dites-moi simplement que vous acceptez de devenir ma femme, Joyce, et j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Je suis désolée, Chris. J'aurais préféré que vous ne me parliez pas. Et que voulez-vous dire? Vous êtes mon seul ami, mon confident. Et j'ai pour vous une très grande amitié. Mais? Mais je ne vous aime pas, Chris. Je vous demande pardon. Vous ne m'aimez pas? Oh, pas de la façon que vous souhaiteriez, je veux dire. Pourtant, vous avez bien deviné oui, que... Oui, oui, oui. Et je m'en veux. Je m'en veux terriblement de n'avoir pas su mieux vous mettre en garde. Oh, j'ai essayé plusieurs fois, souvenez-vous, mais c'est à peine si vous m'écoutiez. Et puis... Oui? Ah, j'ai été lâche, je l'avoue. Je craignais de vous perdre et...
Oh, j'aimerais tellement que nous restions amis, Chris. Moi, j'ai bien peur que cela me soit impossible. Je ne me suis jamais vu dans le rôle d'un ami auprès de vous. Bon, il vaut mieux que je m'en aille, Joyce. J'ai besoin d'être seul. Je reviendrai vous dire au revoir une autre fois, dans quelques jours, si vous le permettez. Mais c'est que... Je vais quitter Watford, Chris. Hein? Oui, dès la semaine prochaine, probablement. Quitter Watford? Je retourne dans mon pays, à Doncaster. Mais vous ne m'en avez rien dit. Écoutez, Chris. Oh, je préférerais ne pas vous parler de ça. Je veux encore vous faire de la peine. C'est au point où j'en suis. Bien, il s'agit de mon cousin, Tom Donnelly. Je vous en ai parlé, je crois. Ah oui, celui dont vous étiez vaguement amoureuse dans votre jeunesse et qui est parti pour l'Amérique. C'est ça, oui. Eh bien, il est revenu. Ah. À Doncaster, oui. Quand il a su ce qui était arrivé à mon mari, il m'a écrit pour me dire qu'il prenait part à mon deuil et qu'il ne m'avait pas oublié. Et vous allez l'épouser? Oh non, il n'a pas été question de ça, je vous assure. Simplement, je serai moins seule là-bas. Et puis, de toute façon, ici, je n'aurais pas pu rester. Oui, je comprends. Eh bien, je vous souhaite d'être heureuse, Joyce. Moi, en dépit de tout, j'aurais passé ici des heures que je n'oublierai pas. Chris, voulez-vous m'embrasser, Chris? Non. Non, non, excusez-moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Bonne chance, Joyce. Et adieu. Allô, oui? Inspecteur Morlock. C'est moi. Ici Barbara Davis. Hein, vous voulez dire Barbara Cockburn, je suppose. Je viens de quitter l'hôpital, inspecteur. Et je vais tenir ma promesse. Hein. C'est très aimable à vous de me prévenir. C'est la moindre des choses. Vous allez mourir, et je tiens beaucoup à ce que vous ayez le temps d'y penser un peu. Oui, qu'est-ce que c'est? Le superintendant Bolton voudrait vous voir dans son bureau, monsieur. C'est bien, j'y vais. Ah, sergent. Oui, monsieur. Occupez-vous de retrouver Barbara Cockburn et faites-la surveiller discrètement. Elle a proféré des menaces de mort à mon endroit. Je vais faire le nécessaire tout de suite, monsieur. Bien. Et entrez. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Oui. Je viens de recevoir votre mutation. À partir de la semaine prochaine, vous passez sous les ordres du superintendant Cohen. Est-ce tout, monsieur? Non, non, loin de là. Asseyez-vous. C'est un ordre. Nous n'allons plus nous voir, Morlock, et je préfère qu'il en soit ainsi. Vous savez pourquoi? Je n'y reviendrai pas. Cependant, et afin que cela vous serve, s'il est possible, je vais vous révéler un certain nombre de choses qui devraient vous intéresser. Mais je vais le faire sans ménagement, je vous en préviens. Je vous écoute, monsieur. En raison de votre parti pris et suite à votre comportement au procès Davis, j'avais chargé deux de vos collègues de reprendre à zéro l'enquête sur l'accident d'Harrogate. Par acquis de conscience et sans trop espérer, je l'avoue. Or, en beaucoup moins de temps qu'il vous en avait fallu pour ne rien découvrir, ils ont retrouvé la voiture du chauffeur, qui avait pourtant changé de main, et le nom de son ancien propriétaire. Un certain Larry Anderson, de Watford. Qu'est-ce que vous dites? Larry Anderson, parfaitement. C'est lui, et lui tout seul, qui a pris la fuite après avoir écrasé la femme et l'enfant. Vous voulez dire que la présence de Mervyn Davis était une invention? Exactement. C'est une coïncidence assez extraordinaire que la femme de Davis ait précisément habité à Harrogate, mais c'est une coïncidence. Mais le meurtre, monsieur, l'assassinat d'Anderson. J'y arrive, mais laissez-moi finir avec l'accident. Si Anderson a provoqué cet accident, c'est qu'il était ivre. Et s'il était ivre, c'est qu'il avait un peu trop fêté les 10 000 livres qu'il venait de gagner au sweepstake. 10 000 livres?
Il les avait sur lui au moment de l'accident. Mais comment savez-vous tout cela? Grâce à vos deux collègues. Ce ne sont pas les justiciers qui échafaudent à partir de leurs convictions, mais des policiers consciencieux qui font leur travail, simplement. Anderson était l'auteur de l'accident. Il était évident que Davis n'avait pu le tuer à ce propos, en admettant que Davis fut toujours l'assassin. Mes inspecteurs sont donc partis pour Doncaster, afin d'interroger à nouveau Madame Anderson. Seulement, et toujours parce que ce sont des policiers consciencieux, ils ont commencé par observer un peu, ce qui leur a permis de découvrir en Joyce Anderson une jeune veuve, pas trop malheureuse, et s'apprêtant à épouser un certain Tom Donnelly. Mais son cousin? Pourquoi son cousin? Son amoureux d'il y a 10 ans, tout simplement, lequel l'avait laissé choir pour l'Amérique. C'est d'ailleurs à la suite de cette déception qu'elle avait quitté Doncaster et accepté d'épouser Anderson. Mais enfin, monsieur, vous ne voulez tout de même pas dire... Mais laissez-moi parler, vous le saurez ce que je veux dire. Donnelly est rentré d'Amérique il y a quelques mois et sans y avoir fait fortune. Beau garçon, ayant un goût très modéré pour le travail, il s'est inscrit au chômage et vit d'on ne sait trop quoi. Ce qui n'empêche pas d'avoir un compte en banque. Assez modeste, en vérité, mais qui se gonfle brusquement d'une somme imposante et toute ronde. 10 000 livres. Oh. Interrogé, ce chômeur richissime affirme qu'il s'agit d'un dépôt qu'on lui a confié. Vos collègues s'en vont alors interroger la fiancée, laquelle finit par raconter l'histoire du sweepstake. Coup de téléphone, contrôle, confirmation... Anderson a bien gagné le gros lot, et il n'y aurait guère que le fisc pour trouver anormal que sa femme en ait hérité. Mais, se demandent mes hommes, pourquoi diable confier une pareille somme à un fiancé qui pourrait très bien être tenté de s'enfuir avec? Vous commencez à entrevoir, Morlock? Continuez, monsieur. Ce dépôt ressemblait fort à un gage, et la confiance de Joyce Anderson était décidément bien grande. Pour être tellement sûre de Donnelly, elle devait sans doute le tenir d'une façon ou d'une autre. Et c'est cette idée qui fit franchir à mes hommes le dernier pas. Risquant le tout pour le tout, ils amènent Donnelly à Watford, lui plantent une casquette de livreur et des lunettes noires, et vont le présenter au petit Benny Gilman, lequel a failli s'évanouir en revoyant l'assassin d'Anderson. Vous y êtes cette fois? Je crois, oui. Attention, inspecteur, ne vous méprenez pas. Ce Donnelly n'est qu'un pauvre type sans envergure et qui ne fut qu'un jouet aux mains de votre chère institutrice. À part l'exécution de son mari, seule besogne réservée à son complice, c'est elle qui a tout machiné. C'est impossible. Je ne peux pas le croire. Je vous comprends dans un sens. Moi-même qui n'avais pourtant pas vos yeux, j'ai eu du mal. Et en fin de compte, c'est vous qui aviez raison. Votre Joyce Anderson est réellement une femme assez exceptionnelle. Oh, je vous en prie, monsieur. Exceptionnelle d'hypocrisie, de sécheresse de cœur et finalement une fameuse garce, oui. Mais il me faut encore ajouter, pour être complet, que tout cela n'eût peut-être pas été possible sans votre bêtise et votre aveuglement. Car c'est vous, Morlock, et dès le début, qui lui avez permis de réaliser son plan. En face d'un policier lucide, elle n'eût peut-être pas osé aller jusqu'au bout. Je ne comprends pas, monsieur. Alors écoutez l'histoire dans son ordre chronologique. C'est votre dernière chance. Un samedi soir, au milieu de la nuit, Larry Anderson rentre chez lui, complètement affolé après avoir écrasé une femme et son enfant. Il raconte tout à sa femme, y compris la raison de son ivresse, les 10 000 livres qu'il vient de gagner. Alors savez-vous quelle est alors la première pensée de celle-ci, Morlock? C'est que si son mari est reconnu pour l'auteur de l'accident, on risque fort de leur reprendre cet argent sous forme de dommages et intérêts. Et cela, pour elle, c'est pire que tout. Elle obtient que son pauvre homme de mari se taise, et le temps passe, mais Anderson, qui est au fond un brave et honnête homme, est de plus en plus torturé par le remords. Et sa femme se rend compte qu'un jour ou l'autre, fatalement, il ira se dénoncer. Vous m'écoutez, Morlock? Oui, monsieur, oui, je vous écoute. La photo de Davis dans le journal lui donne une idée. C'est un homme que l'on peut soupçonner de tous les méfaits et dont personne ne s'étonnera qu'il ait eu un revolver dans sa poche. Elle met donc son histoire au point, se rend au yard et, comble de bonheur, tombe sur un inspecteur subjugué par sa petite personne. Dès lors, tout devient facile et elle fait venir Donnelly de Doncaster. Moins aveugle que vous, celui-ci renacle un peu. Mais les 10 000 livres le font finalement céder. Pendant que Joyce est avec vous dans votre bureau, et après qu'elle ait pris le soin diabolique de choisir le moment où un enfant serait le meilleur témoin, Donnelly tue Anderson.
Amusant, non? Non, je vous en prie, monsieur. Mais le malheur, en fin de compte, pour Joyce Anderson, c'est encore vous, inspecteur. Car si votre naïveté l'a servi au début, vos sentiments et votre acharnement contre Davis ne l'arrangent pas, Davis ne lui importe pas, elle eût préféré de beaucoup que l'affaire soit classée, qu'on n'en parle plus. Malheureusement, votre désir de briller et votre haine pour Davis vous font vous acharner. C'est bien à contre-cœur, croyez-moi, qu'elle vient témoigner au procès. Mais comment pourrait-elle refuser sans risquer d'éveiller vos soupçons? Ce en quoi elle a peut-être eu tort, d'ailleurs. Tant je suis persuadé qu'elle eût pu vous faire avaler n'importe quoi. Voilà, Morlock. Voilà comment votre aveuglement a tout rendu possible et tout embrouillé. Non seulement vous vous êtes trompé du début à la fin, mais vous avez encore poussé jusqu'à me prendre pour un policier véreux. Grâce à votre entêtement stupide, Joyce Anderson a cru pouvoir tuer son mari en toute quiétude. Et Melvin Davis, qui était en train de se racheter, est en prison pour 10 ans. Grâce à vous, Perry Sadler, Stan Lake et quelques autres vont sans doute se remettre à vivre d'expédients, et Barbara Cockburn se retrouver Dieu sait où. Grâce à vous, enfin. Et parce que Davis n'aura plus les moyens de payer pour elle, une pauvre folle va se retrouver au fond d'un asile. Voilà, inspecteur. Voilà le bilan de votre aveuglement. Un beau gâchis, vous ne trouvez pas? Vous pouvez disposer, inspecteur. Mais j'ai dit, vous pouvez disposer. Très bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. Inspecteur Morlock. Inspecteur. Hein? Oui. Mais qu'y a-t-il, sergent? J'ai craint que vous ne soyez déjà parti, monsieur. On vient de nous signaler qu'une voiture est depuis plus d'1 heure en stationnement au coin de la rue et que Barbara Cockburn est à l'intérieur. Hein? Désirez-vous que nous l'interpellions, monsieur? Non. Non, sergent, pas la peine. Barbara Cockburn a bien le droit de stationner où bon lui semble. Je fais demander une voiture pour vous raccompagner, monsieur. Elle vous attend près de la porte latérale. Je vous remercie, sergent, mais c'est inutile. C'est inutile. Je vais rentrer à pied. Mais... Je vous en prie. Bonsoir, sergent. Inspecteur Morlock. Oui. Bonsoir, Barbara. Le sursis est fini, inspecteur. Vous allez payer. Je sais. Ça vous est égal? Cela ne fera pas sortir votre bonhomme de prison, Barbara Cockburn!